Wow, que la lumière soit, bien-aimés, nous nous sommes encore retrouvés ce jour d'aujourd'hui, le mardi, avec notre mission. Que la lumière soit, bien-aimés, je nous invite tous à commencer déjà à nous connecter et aussi à partager cette émission à tous et à toutes pour que tous ensemble nous puissions manger Jésus dans notre mission. Que la lumière soit. Je salue tout le monde qui est arrivé, Madalena Bozo, Patricia Lotutu, Lovive Blessing, vous qui arrivez, n'oubliez pas de donner votre offrande. En attendant que nous commençons notre mission, vous savez, c'est qu'on fait ces derniers temps. Nous nous connectons avec le ciel, avec Jésus-Christ, notre Sauveur, Jésus-Christ Nazareth, l'homme du Saint-Évangile, et Jésus-Christ. Le centre de toutes choses, la personne qui marche au milieu du sept chandeliers d'or. Et nous écoutons notre chanson et vous partagez l'émission, vous invitez un grand nombre avec ces grands nouveaux titres que nous commençons. Waouh! Que le Seigneur bénisse Mamie Rosa, Tabitha. Et je mets la chanson, bien aimé, suivez cette chanson et partagez, concentrez-vous, parce que nous voulons manger. Je nous donne cet apéritif, c'est cette chanson. C'est devenu un apéritif pour nous pour avoir soif de Jésus-Christ. Il reviendra bientôt, Jésus. Il viendra nous chercher. Il reviendra chercher ses enfants. Il y a des problèmes. Il y a plus de péché sur cette terre. Cette paix qui nous reste se demeurera dans sa présence. Jésus. Continuez à partager, bien-aimés, Dieu vous bénira. En suivant cette chanson, c'est un apéritif qui va nous donner encore la soif de Dieu, l'amour d'écouter ces beaux messages que nous voulons commencer aujourd'hui. Yes. Partagez cette émission, bien-aimé, Dieu vous bénira. Que la lumière soit pour chasser les ténèbres de nos ignorances. Didier Kumba, que la lumière soit avec toi. Jennifer Tingui. Oh, tout ce qui est arrivé, Prince Anamongo. Commencez à partager, suivez cette chanson. Venez écouter la parole du Seigneur. Chacun partage l'émission comme une offrande, vous donnez à Dieu, fruit d'Emmanuel, que la lumière soit avec toi. Vous commencez déjà à partager, vous invitez un grand nombre de personnes. Être avec nous pour manger et être avec nous à cette table que nous allons manger. Yes. Je suis là que l'univers soit avec toi, ma fille. Partage aussi. Mon
ma personne et moi et comme il connaît que nous y décollons. Dans les tours de l'unité, mais tout le monde a les lunes, tout le monde a les lunes, mais la oh Jésus, tu as mis sauté. Avec ton sacrifice, Seigneur, ne nous laisse jamais. Oh, Francine Kala, quelle mère soit avec toi. Nous écoutons cette chanson comme un apéritif. Et pour bien manger Jésus, vous partagez aussi, parce que après nous lançons à notre enseignement. Nadine, quelle mère soit avec toi aussi, tu partages. Nous donnons la possibilité à un grand nombre de personnes pour pouvoir venir manger avec nous. Yes. Alléluia. Nous partageons l'émission à un grand nombre de personnes, bien aimé, pour que l'évangile touche toutes les couches et que l'évangile aille jusqu'aux extrémités. Et beaucoup de gens bénéficient de cette part. De cette faveur divine que Dieu nous accorde ici. Là, je vois mon beau frère Dodon Beza. Mon beau frère est là. Que la lumière soit avec toi aussi, le Seigneur. Te fasse-tu bien à être avec nous aujourd'hui? Tu peux partager cette émission pour que beaucoup de gens profitent. Voilà, donc cette chanson du clip, vous savez que c'est la chanson qui nous permet à se connecter beaucoup sur le net en Jésus-Christ. Et ça a été un apéritif pour nous au début pour pouvoir nous apprêter à écouter. Et je dis à tout le monde et bon appétit parce que nous voulons manger. Et je signale à tout le monde, vous n'êtes pas à la mauvaise adresse, vous êtes dans une bonne adresse. Et la bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'émission de l'Évangile de l'équilibre, l'Évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Vous savez, une personne qui a deux jambes a la facilité de porter beaucoup plus de poids qu'une personne qui n'a qu'une seule jambe. Et cette personne qui a une seule jambe est une personne déséquilibrée. Mais nous sommes fortement équilibrés. Et nous avions des jambes, c'est aussi l'évangile de la précision. Tout ce qu'on dit est vérifiable dans les Écritures et aussi avec une inspiration parce que c'est l'homme sans nom qui parle ici, l'homme sans nom, l'hôtelier, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, la personne de la troisième dispensation que Christ nous a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que vous receviez les consolateurs. Il viendra, il vous enseignera, il vous renseignera ou rappellera, il vous conduira dans toute la vérité. Je vous ai dit dans le livre de Psaume 119, verset 160, la Bible dit le fondement de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité, ou les principes de la parole de Dieu et la vérité. Et Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra quoi? Libre. La vérité vous rendra libre. Et Éphésiens 6, ça va nous dire que non, ayez la vérité pour quoi? Pour ceinture. Bien-aimés, alors nous commençons aujourd'hui un nouvel enseignement. Ce nouvel enseignement a pour thème la guérison de la langue. Dadou, ma fille, que la lumière soit avec toi. La guérison de la langue. Bien-aimés, à chaque fois que vous venez dans cette émission, pensez à donner la possibilité à un grand nombre de personnes aussi de venir écouter. Et pourquoi? Parce que nous avions un objectif et
quoi, de toucher les cœurs, de toucher beaucoup. Voilà pourquoi on vous dit que au Saint-Évangile, le Saint-Évangile, c'est un évangile qui n'enseigne pas les choses que nous aimerions entendre, mais qui enseigne les choses que nous devons entendre. Ici, le message qui se donne, ce n'est pas les choses que tu aimes entendre, c'est plutôt les choses que tu dois entendre. Merci Lisanga, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi avec un grand nombre cette émission pour venir. Surtout si vous avez des groupes dans vos comptes, bien aimé, n'hésitez pas à partager ces émissions dans tous les groupes que vous en avez, bien aimé, pour que cela atteigne tout le monde. Voilà, on disait que le corps du Christ est en train d'évoluer à un grand danger. Bon, suite à qui? Peut-être aux infiltrés qui sont là et qui se disent enfants de Dieu, mais en réalité qui ne le sont pas. L'évangile qui se prêche aujourd'hui, comme je vous ai dit même le dimanche, ce n'est plus l'évangile qui touche le cœur. C'est l'évangile qui est agréable à l'oreille, qui nous réjouit, qui nous fait crier, sauter, danser. Et tout ça, Nathalie Kumba, que lumière soit avec toi en Allemagne, là-bas. Et tout ça, qui est devenu un évangile de mortification. Ça veut dire de se jeter des jetons, comme on dit. Donc, de mortification, de mortifier les autres. Et quand on écoute, ah, papa, t'es à bango, l'obé là, bango. Mais ce n'est plus l'évangile qui touche la personne elle-même qui écoute. C'est ainsi que, bien aimé, nous ne changeons pas. Les chrétiens sont malades, mais sans qu'ils le sachent. Il y a des maladies spirituelles au milieu de nous, d'autres qui font délivrance et guérison, qu'on voit des spectacles de tomber, de se lever. Mais en réalité, les gens ne sont plus préparés pour la rencontre de l'époux. Alors, de tels thèmes qui viennent, bien aimé, dans le Saint-Évangile que nous donnons, avec une entière révélation, des explications d'intelligence aussi, et pour nous aider, bien aimé, quoi, à préparer notre retour à l'éternité. Parce que nous sommes ici sur la terre comme des pèlerins. Comme des pèlerins, nous sommes que dans un passage quoi, éphémère. C'est une vie éphémère, une vie passagère, bien-aimé, que nous allons quitter. Alors, la guérison de la langue. La guérison de la langue. Je pense que tout le monde connaît qu'est-ce qu'une langue. Et je ne parle pas de la langue étant que expression, un langage verbal que nous exprimions, Père Tout-Puissant, une expression d'une langue peut-être quelconque, mais je parle de la langue qui est un organe, et qui est musculé, qui est à l'intérieur de la bouche. Et cette petite partie qui est là à l'intérieur, que nous allons même voir beaucoup de choses ici dans la Bible, et qui est dans la bouche de l'homme, et qui permet à chaque fois que nous voulons formuler des phrases et des mots, c'est une partie des vibrations qui bougent, et qui a aussi un autre rôle de sentir les goûts et de tout ça. Mais ça nous permet à mieux articuler. Bien aimé, si on t'arrache la langue, tu auras peut-être du mal à pouvoir t'exprimer. La guérison de la langue. Et pourquoi on dit qu'on doit guérir cette langue, bien aimé? La guérison, cela montre clairement que la langue est malade. Elle est malade par rapport aux fruits qu'elle est en train quoi, de produire et de donner, les résultats qu'elle donne. Je pense qu'en parlant ainsi, vous m'écoutez parce que c'est ma langue qui parle aussi ici. Mais la langue prend toutes ces choses quelque part que nous saurions tout au long de cet enseignement. On dit la guérison quoi, de la langue. Bien-aimé, et je me suis rendu compte que avec cette langue, bien-aimé, nous pouvons beaucoup faire. Parce que la langue, c'est ce qui nous permet à exprimer, à parler au travers du puissant, en ouvrant la bouche et ses lèvres. Bien-aimé, Dieu lui-même ne pouvait rien faire s'il ne parlait pas. Tu dois savoir que cette langue, elle est créatrice. Elle crée des choses qui peuvent être aussi bonnes ou désagréables pour toi, mais il suffit simplement de regarder si la langue est en bonne santé, bien aimé, c'est que beaucoup de choses vont être aussi bonnes, et aussi si elle est malade, il y aura beaucoup de mauvaises choses. Tout ce que nous voyons ici sur la terre, je me suis rendu compte aussi, c'est aussi à cause de la langue, c'est aussi à cause de la langue. Une langue peut construire un foyer, une langue peut détruire aussi un foyer. Une langue peut diviser les gens, une langue peut réunir les gens, peut rassembler des personnes, peut disperser aussi, bien aimé.
Une langue que tu vois comme celle et comme on a là, la langue, bien aimée, peut te faire manger et peut te faire aussi quoi? Et rester enfermé. La langue qu'on a, bien aimée, peut te donner un poste et peut aussi te licencier. Cette langue-là que vous voyez, une toute petite partie qui est dans notre bouche là, et ça peut nous faire rassasier comme ça peut nous faire demeurer enfermé. La langue, bien aimée, et ça peut te faire aimer comme ça peut te faire aussi haïr. Ça peut te faire haïr. Donc, ça dépend comment simplement tu l'utilises. Et aussi, mais peu importe la manière que tu utilises, mais il faudrait que ça soit aussi quoi, en bonne santé. Mais si ce n'est pas en bonne santé, ça devient inquiétant pour cette langue-là. Ça devient inquiétant parce que, bien aimé, ça va te causer beaucoup de peur, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations et tout ça. Et c'est ainsi que nous pensons, bien aimé, à procéder par la guérison. On n'a pas dit la prévention de la langue, mais je parle de la guérison parce que, bien aimé, chacun de nous, comme nous écoutons dans cet auditoire ou dans cette humanité, cette langue nous a blessés, a blessé des gens, et cette langue nous a donné des moments, quoi, des soucis, bien aimé. Tu sais, cette langue peut détruire tout ton équilibre, bien aimé. Tu peux être déséquilibré, perdre un équilibre, être malheureux, traverser des instants ou des périodes de peur tout puissant, triste, médiocre, peur tout puissant, et que tu ne peux même pas te sentir bien à cause simplement de l'utilisation de cette langue. Si elle a été mal utilisée, et ça peut te causer quoi? Beaucoup de choses. Bien aimé, tu es en conflit avec beaucoup de gens. Tu es en conflit avec même ta belle famille. Tu es en conflit avec même Père Tout-Puissant, ton propre mari. Tu es en conflit avec ta femme. Tu es en conflit avec ton pasteur. Tu es en conflit avec les fidèles. Tu es en conflit avec tout le monde. C'est à cause simplement quoi? De la langue. La langue t'a rendu prisonnière de beaucoup de choses. Tu ne peux plus aller voir telle personne parce que tu avais parlé. À force, bien aimé, tu avais parlé. Et maintenant, au cas où tu as des besoins, tu ne sais plus quoi faire pour retourner et tout ça. Bien aimé, cette langue nous a honorés et cette langue nous a aussi humiliés. Et quand nous parlons de l'éloquence de quelqu'un, bien aimé, une bonne manière de s'exprimer, c'est grâce aussi à la langue que cette personne est en train d'exploiter. Bien aimé, l'exploitation de cette langue peut te rendre, Père Tout-Puissant, formidable. Fait faire en sorte que les gens t'aiment. Fait faire en sorte que les gens t'admirent. Et peut aussi faire en sorte que les gens, quoi, te détestent. La langue. Nous sommes à l'introduction de cela. Et je nous explique cela, bien-aimé. Et la Bible a tout dit. C'est que j'aime la Bible que vous voyez, comme je dis, a tout dit. Bien-aimé, les chrétiens d'aujourd'hui se sont focalisés aux choses qui les plaisent. Simplement, vous les entendez dire, c'est ma toute arme est forgée, et toute langue condamnée, et tout ça. On parle simplement des choses qui nous plaisent. Mais or, la Bible, c'est toute une forêt, bien-aimée, qui a des gibiers même à l'intérieur. Bien-aimée, il faut aller. Et pour prendre, pour centrer les cœurs de l'homme. Bien-aimée, tout cela est pour nous donner une vie quoi meilleure, une vie excellente, une vie équilibrée. Et pour avoir une vie équilibrée, bien-aimée, il n'y a pas que la prière, bien-aimée. Beaucoup de gens prient, mais il n'y a pas de résultat. Beaucoup de gens font ceci, il n'y a pas de résultat. Si je vous ai dit bien le dimanche, l'Éternel nous donne un cœur nouveau, pour un esprit nouveau, dans le but de pouvoir nous permettre à suivre ses commandements. Non simplement que de rester prier longuement, mais de suivre ses commandements, c'est que de garder ses commandements, de pratiquer ses prescriptions. Et mais tout cela, bien aimé, il faut le savoir. Et quand on ne le sait pas, bien aimé, on risque de détruire ce qu'on construit simplement par la langue. Cette langue a détruit beaucoup de choses que tu as donné beaucoup d'efforts pour les construire. En une seule seconde, en une seule minute, bien aimé, tu as brisé cela à cause de quoi? De la langue. La langue, Père Tout-Puissant, a bloqué. La langue a mis beaucoup de gens aussi en prison. Il y en a certaines personnes qui se retrouvent à la prison, c'est simplement à cause de cette langue-là, bien aimé. Tu es là, tu le sais. Bien aimé, tu es là, tu le sais bien, parce que je voudrais que l'humain soit avec toi. À cause de cette langue-là, il y a des gens qui sont enfermés. À cause de cette langue-là, ton voisin, toi, vous ne vous parlez plus, bien aimé. Tu ne parles plus avec ton voisin. Tu t'es bagarré, tu t'es battu, bien aimé. Je sais qu'il y a quelqu'un, même avant cette émission, peut-être, les temps passés, Miradidité, aimé ma fille, que l'humain soit avec toi aussi, bien aimé, ou pendant que je parle ici, tu sais que même dans ta propre famille, tu ne peux plus parler avec tel à cause de l'utilisation de la langue. Bien aimé, cette langue t'a rendu mauvais,
mauvais. Tu es devenu très mauvais et tout ça à cause simplement de ta langue. Tu as été admiré hier, mais tu es aujourd'hui détesté, haï de tous parce que tu as mal utilisé quoi? Ta langue. Voilà. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre des Proverbes, bien aimé, ici, il y a la lecture, il y a aussi les explications. Vous le savez, dans le Saint-Évangile, il y a la lecture, il y a les explications. Parce que si nous sommes là, nous dénudons un peu la banane, nous enlevons la peau de la banane pour manger ce qu'il y a d'internet, pour sentir le goût, bien aimé, puissant de la banane, il faut enlever la peau. Écoutez, et Proverbes chapitre combien? Proverbes chapitre 18, verset 21, nous dit quelque chose de très capital. Nous allons lire ceci. Notez pour servir aussi à ceux qui viennent et à ceux qui viendraient après. N'oubliez pas, quand vous rentrez, la première chose à faire, vous partagez cette émission pour que les autres aussi puissent bénéficier de cela. Vous allez aussi dans vos groupes, vous invitez aussi les gens dans tout ça. Bien aimé, pour que beaucoup d'autres personnes viennent aussi manger avec nous ce bon évangile, ce bon message. La Bible dit, le livre de Proverbes chapitre 18, verset 21. Quelqu'un note cela pour servir aux autres. La Bible dit ceci. La mort et la vie. La mort et la vie sont au pouvoir, quoi? De la langue. Vous entendez? On dit la mort et la vie sont au pouvoir, quoi? De la langue. Il dit, celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir, quoi? De la langue. On parle de la mort, on parle de la vie. C'est des choses qui les dirigent, on dit quoi? C'est la langue. Oh. La mort et la vie. La mort que nous connaissons, donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand on parle de la mort, nous voyons tout ce qui devient stérile, tout ce qui ne produit plus, et tout ce qui ne donne pas la paix, et tout ce qui ne donne pas la joie, tout ce qui ne rend pas heureux, et tout ça. Quand on parle de la vie, tout ce qui vit, tout ce qui prospère, tout ce qui émerge, tout ce qui avance, tout ce qui met l'unité, tout ce qui donne la paix, tout ce qui donne la joie, et tout ce qui réjouit, et tout ce qui construit. Mais on dit que toutes ces histoires, on se rend compte que non, ce n'est pas par nos efforts musculaires, ce n'est pas par la force motrice, ou peut-être par la force mécanique des véhicules, ce n'est pas par des biceps, c'est bien aimé, et que nous pouvons avoir la vie ou réussir dans la société. La Bible dit que non, la mort et la vie, simplement ces deux choses sont au pouvoir quoi de la langue. C'est que l'utilisation de ma langue peut me donner une liberté de vivre et peut aussi m'amener à la salle de quoi? De condamnation de mort. Et bien aimé, peut m'écouter la peine capitale. Oh, vous voyez ça, la mort et la vie. Or, ces versets, comme vous savez que nous sommes dans les sept évangiles, nous pouvons l'associer quelque part. Nous pouvons aller, bien aimé, ici la parole parle aussi, la parole marche, la parole a des jambes, la parole a des pieds. Nous allons dans les livres de Deutéronome pour comprendre est-ce que celui qui nous a dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, a-t-il tort ou a-t-il raison? Certainement, on va aller, nous allons bien aimer Deutéronome chapitre combien? Oh, ya. Nous allons à Deutéronome, bien aimé, pour trouver quelque chose et qui va nous faire du bien. Deutéronome 30, je crois. Et la Bible nous dit quelque chose et qui est tellement si formidable. Yes. 30 verset 19. Deutéronome 30 verset 19. Bien-aimé, notez-nous ça. Écoutez cela. Claude Vadelonde, mon beauf, que l'animal soit avec toi. Si tu partages cette émission aux autres, maman, Faucine aussi, pareil, ma fille. Deutéronome 30 verset 19, la Bible dit ceci. J'en prends aujourd'hui en témoin. Vous entendez, j'en prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. La Bible dit quoi? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Vous attendez. La Bible dit que Dieu a mis devant toi, hein, donc a mis devant moi, a mis devant toi aussi, devant nous, la vie et quoi? Et la mort. Il a placé la vie et la mort. Dieu a mis la vie et la mort.
Il dit quoi? La bénédiction et la malédiction. Nous comprenons que la vie est la bénédiction, la mort est quoi? Et la malédiction. Il dit, il a mis ça devant quoi? Devant nous. Il dit quoi? Par un bon conseil, il nous dit quoi? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Maintenant, Proverbe, chapitre 18, le verset 21 nous dit maintenant cette mort-là. Et la vie-là que Dieu a mise, hein, que Dieu a mise devant nous, que Dieu a mise devant nous, et la bénédiction, la malédiction, sont au pouvoir de la langue. Est-ce que vous comprenez maintenant? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime le Saint-Évangile. C'est un évangile vraiment de la précision et de l'éclaircissement. Maintenant, Dieu explique, non, la mort-là que Dieu, qu'on parle dans les livres de Deutéronome, par la bouche de qui? De son prophète qui? Moïse. Dieu précise. Il a dit que j'ai mis devant vous la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Mais il nous conseille. Il dit, si tu veux vivre longtemps, choisis quoi? La vie. Et ça sera bien aussi pour ta descendance. Qu'est-ce qu'on pense là? Maintenant, Proverbe va intervenir les jours à venir. Il nous dit que la mort là que Dieu a placée, et la vie, ce qu'on appelle la mort qui prend le sens de la malédiction, et la vie qui prend le sens de la bénédiction, la Bible explique que c'est au pouvoir quoi? De la langue. La langue que tu as, c'est au pouvoir. C'est que cette langue-là peut te donner la vie, peut te donner aussi quoi? La mort. Bien aimé, je nous ai dit que beaucoup d'autres tristesses, beaucoup d'autres problèmes que nous avons, mon fils, que la lumière soit avec toi aussi, beaucoup d'autres tristesses, malheurs que nous connaissons et des couples qui sont détruits et fissurés à d'autres choses, sont dus simplement par la mauvaise utilisation de la langue. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Waouh. Bien aimé, ton bonheur, par là que nous comprenions, comme la mort et la vie, la bénédiction ou la malédiction sont au pouvoir de la langue, c'est que la vie que j'ai aujourd'hui, c'est la mauvaise utilisation ou la bonne utilisation ou quoi de ma langue. La manière que je l'utilisais, et c'est tout ça. Pourquoi? Nous retournons au commencement. Dieu ne pouvait rien faire si Dieu n'ouvrait pas sa bouche. Car la bouche, c'est la chose et qui nous permet à s'émancer aussi la nature. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Ah, bien aimé, écoute bien. Qui nous permet à s'émancer la nature. Bien-aimé, si tu jettes une mauvaise semence, tu acquériras cela. Car la Bible dit, l'homme récoltera ce qu'il aura quoi semé. Quelqu'un attend cet enseignement. Non. Nous sommes à l'introduction, mais je veux déjà nous amener à comprendre. La Bible dit, je vous ai expliqué, Dieu ne pouvait rien absolument faire. Parce que Dieu sait que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pour donner la vie à l'humanité, Dieu devait utiliser sa bouche, sa langue. Car je parle de la bouche, vous voyez les lèvres, vous voyez la langue directement, vous comprenez. Dieu devait utiliser sa langue. Parce que s'il n'utilise pas sa langue, Dieu ne peut pas s'émancer la nature, ne peut pas s'émancer l'humanité. C'est ainsi que, bien-aimé, allons-y pour voir que la Bible dit, Dieu dit, bien-aimé, on ne parle que là. Il faut ouvrir sa bouche et pour faire gesticuler la langue, bouger la langue, l'utilisation. Et quand Dieu dit que la lumière soit, c'est que tout ce que nous disons, c'est ce qui enfante. C'est ainsi que Dieu veut le bien, mais tu dois comprendre une chose. Ta langue là peut donner la vie, peut donner la mort à tout ce que tu dis. Il faut savoir. Avoir une bonne relation avec les gens, ce ne suffit pas simplement au cadeau qu'on donne, mais ce qui est aussi important, c'est que tu parles. Parce que tu peux donner quelque chose à quelqu'un, mais si tu as mal parlé après, cela va vous briser comme une relation. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui, que la lumière soit. Oh, l'évêque général, bien-aimé, je bénis d'abord mon vieux, le Jean Bosco Kindoba qui est avec nous ici, et tout ça. Je nous dis, la langue peut construire et la langue peut détruire. La langue peut donner plus des amis et la langue peut
t'isoler dans un environnement. La langue peut nourrir un foyer, mais la langue peut aussi détruire un foyer. La langue peut construire une bonne relation et la langue peut briser des relations. La langue peut te faire aimer des gens, mais la langue peut te faire haïr aussi des gens. Cette langue-là, bien-aimée, est Proverbe 18, comme je vous disais tout à l'heure, Proverbe 18, verset 21 intervient. Nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est que celui qui peut gérer la mort, qui peut diriger la vie à la fois, c'est la langue que nous avions. Et une petite partie de rien du tout, mais capable quoi? À rendre une vie heureuse, à rendre une vie malheureuse. Alors Moïse, comme la parole marche, nous sommes retournés voir l'ancêtre Moïse. En arrivant là-bas dans le livre de Deutéronome 30, verset 19, Moïse nous dit, qu'est-ce que vous êtes venus faire? On lui dit que nous sommes venus savoir qu'est-ce qui se passe par concernant la mort et la vie. Moïse nous dit que Dieu a placé devant chacun de vous la mort et quoi? Et la vie. La bénédiction ou la malédiction. Pour nous dire simplement, quand tu attends la vie, c'est que c'est la bénédiction. Quand tu attends la mort, c'est que c'est la malédiction. Il dit que Dieu vous conseille, il dit choisis la vie pour que vous viviez longtemps, vous et vos descendants. Ah, maintenant nous avions compris parce que Moïse ne pouvait pas comprendre ce que nous on a vu dans les livres de Proverbes parce que lui il ne connaissait pas ça. On a dit, waouh, c'est que la mort et la vie que Dieu a mis devant nous, mais il y a quelqu'un qui peut diriger cela. Quelle est la chose qui peut diriger cela? C'est la bouche. Parce que la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est que choisir la vie, choisir la mort, c'est comment j'utilise ma langue. Si je l'utilise mal, bien aimé, c'est que quoi? J'embrasse quoi la mort. Et quand je dis embrasser la mort, ne veut pas dire simplement que. Je ne veux pas dire simplement que la mort physique, mais aussi la stérilité de toutes choses, la sécheresse, le problème qui peuvent m'arriver dans la vie où je suis en train de traverser sur la terre. Bien-aimé, et je nous ai expliqué, la langue c'est la partie la plus utile et qui répand, qui dépose la semence quoi dans la nature que nous vivons. Et c'est ça. Et toutes les semences, et bien-aimé, et que nous voyons le monde existe, elle existe par la semence donnée par quoi? La langue. Bref, c'est Dieu lui-même ce que je vous explique. Dieu dit quoi? La Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais qu'est-ce qu'il disait? Mais cette terre ne peut pas être en vie si Dieu n'arrive pas à utiliser sa langue. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fait. C'est que tout ce qui sort de ma bouche peut enfanter quelque chose de bien, peut enfanter quelque chose aussi quoi de mal. C'est que ma vie, mon couple, ma joie, l'équilibre de mon foyer, l'équilibre de ma vie, dans la société, avec les amis ou avec les gens auxquels je vis avec eux, bien aimé, dans mon église, la réussite, mon succès dépend plus quoi de la langue. Toutes ces histoires dépendent de la langue. Et la manière que j'utilise ma langue, bien aimé, et c'est cette manière-là que je peux vivre longtemps et je peux vivre quoi? Moins longtemps. J'ai dit que cette langue, beaucoup sont dans les prisons. Beaucoup de gens, à cause simplement de la langue-là. Beaucoup, on les a fait passer à quoi? Aux chambres de la mort. On les a tués simplement parce qu'ils ont dû. Beaucoup sont détestés même dans les milieux politiques, dans tous les milieux de la vie par rapport à ce qu'ils disent, bien aimé. Ce que tu dis, ça peut te faire applaudir. Ce que tu dis, ça peut quoi? T'ignorer et te rabaisser. Ta langue là, et que tu vois, peut rendre malheureux tout ton être, tout ton corps, et peut déranger aussi ton intérieur. Mais qu'est-ce qui fait que la langue, qu'est-ce qui provoque la maladie de la langue? C'est ça le problème. La langue, je dis tout ce qui sort de... c'est une semence. C'est une semence où on peut appeler ça les fruits ou les résultats. Maintenant, la Bible nous dit quelque chose. Que la langue est un arbre. Non, bien aimé. Il faut qu'on vérifie. Parce que de peur qu'on dit que qu'est-ce qu'il dit. Allons-y. Nous allons maintenant dans le livre de Proverbes chapitre 15. Cette introduction, j'aime déjà moi-même. Parce que ça me réjouit déjà, ça commence à me parler déjà. Proverbes chapitre 15, le verset 4.
Proverbe chapitre 15, de verset 4, que quelqu'un nous note cela pour servir à beaucoup de gens qui suivent ici. Proverbe 15, verset 4. La Bible dit, une langue douce, j'aime l'ancien français, l'ancien français qui dit une langue doucereuse. Une langue douce est un arbre de vie. Vous entendez? Une langue douce est un arbre de vie. Mais la perversité, et qui est en elle, brise quoi? L'esprit. On dit une langue douce, c'est qu'une bonne langue, c'est tout un arbre quoi de vie. Mais quand cette langue-là a une perversité, une mauvaise semence, une mauvaise vie, cette langue brise même l'esprit. Bien-aimé, on a vu des gens l'esprit triste. À cause de quoi? À cause de la langue. On dit que c'est un arbre de vie. Or, nous savons, moi et vous, la Bible nous parle, bien-aimé, dans les livres de Genèse, que dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé des arbres. Il a placé l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et quoi et du mal. Maintenant, nous comprenons que l'arbre de vie, l'arbre de connaissance du bien et du mal, n'est rien d'autre la parole de Deutéronome chapitre 30, verset quoi? 19. Oh, quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Oui. Dieu dit dans le jardin, j'ai placé au milieu du jardin l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre quoi? De vie. Et bien, nous allons partir là-bas. Parce que je veux qu'on comprenne des choses. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur soit loué. Quelqu'un me dise que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Oh, aïe, 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 aïe. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse combien? Genèse 3, il y en a déjà. Là où il y a eu des problèmes. Mais bon, vous pouvez commencer. Vous pouvez lire vous-même, mais quoi? Genèse chapitre 2 aussi, ça peut vous expliquer cette histoire, mais moi je prends Genèse chapitre 3, hein, mais bon, si vous voulez, lisons d'abord Genèse chapitre 2 pour qu'on aille ensemble, et 2 verset 9, la Bible dit ceci, écoutez, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit, Genèse chapitre 2 verset quoi, 9, hein, notez-moi ça, 2 verset 9, la Bible dit ceci, l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu quoi, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien quoi et du mal. Vous comprenez cela? Il a créé tous les arbres, mais il a mis au milieu l'arbre de la vie, l'arbre de connaissance du bien et quoi et du mal. Mais maintenant, en marchant, comme le Saint-Évangile, la parole marche, on arrive, Moïse nous éclaircit que l'arbre que l'Éternel avait mis dans les jardins, ce n'est rien d'autre, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Pourquoi? Ici, il a dit, il a mis, Moïse aussi nous dit dans le livre de Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit quoi? J'ai placé devant vous la mort et quoi? Et la vie. Bon. La bénédiction, la malédiction. Et Proverbe nous dit quoi? Toutes ces histoires sont au pouvoir simplement quoi? De la langue. Mais maintenant, on va essayer de comprendre. Si on dit qu'une langue douce est un arbre de vie, c'est qu'une langue douce est une langue qui est bien guérie, qui a de bonnes choses et qui a de bonnes paroles. Une langue, bien aimée, qui donne la paix et qui fait vivre quelqu'un à cause simplement de ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et qui rend aussi son mari heureux, qui rend un couple vivable. Vous savez, les couples sont malheureux parce que la manière que la femme parle, la manière que l'homme parle, bien aimé, ça brise aussi l'harmonie et l'équilibre du couple. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas parler à leur femme.
Et de même, il y a des femmes qui ne savent pas parler avec leur homme. Mais vous faites tout bien aimé. Au moins, je suis dans cette maison, je prépare à manger, je fais tout ça bien aimé. Ce n'est pas que ça qui doit donner l'harmonie. La base de tout ce qui va donner une bonne vie aussi, c'est aussi la manière de parler. Bien aimé, cette manière de parler a volé d'autres hommes chez les autres femmes. Bien aimé, femme, écoute-moi. Il faut savoir comment parler à ton mari. Mari, tu veux que ta femme aussi t'aime beaucoup, il faut savoir comment la parler. Parce qu'il y a d'autres femmes et qui sont parties et qui ont brisé l'histoire du couple à cause simplement de la manière que tu la traites par tes discours. Parce que ce qu'on dit, c'est une semence. Et une semence, vous le savez, ça finit par produire. Une semence ne tombe pas dans la terre sans produire. Ou si ça ne produit pas, c'est que ça a trouvé quoi, des épines. Quand ça trouve des épines, ah, c'est aussi dangereux. Quand ça trouve des rocs, des pierres, c'est aussi dangereux. Alors tout ce que tu déposes dans ta part, même si aujourd'hui la personne n'agit pas, crois-moi, tôt ou tard, cette personne finira par agir parce que la parole est une semence. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. C'est cette parole-là qui est une semence qui a rempli la terre. Quand Dieu dit la lumière soit, que les arbres poussent, à chaque fois que Dieu parlait, c'était une semence qu'il jetait à la terre. Et la terre donnait les retours. C'était quoi? La germination et le fait de faire pousser cela. Tu veux que ta femme soit belle. Bien aimé, toutes les paroles que tu libères à ta femme peuvent la rendre moche, peuvent la rendre aussi belle. C'est comme ça. Tu veux voir ton mari être rassuré, courageux dans ta vie. Tout ce qu'on dit, c'est le même ce qu'on dit à nos enfants. Bien aimé, nous devons veiller à tout ce que nous disons. Que quelqu'un me dise alléluia. Je suis encore là. Que la lumière soit. Que la lumière soit et dis avec moi que la lumière de cet enseignement me restaure. Et la Bible maintenant précise, la mort et la vie de toutes ces histoires sont au pouvoir de quoi? De cette langue-là. Maintenant, comme on dit que la langue est un arbre, prenons d'abord est un arbre. On dit la langue douce est un arbre de vie, c'est que la langue perverse est un arbre quoi? De la mort. Vous comprenez maintenant? Ça c'est bien. Si on dit c'est un arbre, or tout arbre, bien aimé, doit être fondé, basé aussi, quoi, doit avoir quoi? Des racines. Or, la racine ou les racines d'un arbre vont là où on ne peut pas voir. Quelqu'un, la langue, on voit, n'est-ce pas? C'est que la semence qu'on libère, on attend, non? Parce que Dieu dit, la semence doit attendre. Mais la provenance de l'arbre, la vie de cet arbre, provient d'un endroit caché. Vous comprenez? D'un endroit quoi? Caché. D'un endroit bien précis caché. Mais quand nous passons, nous voyons des arbres, mais les racines, on ne les voit pas comme ça. Hey, regarde ces racines, c'est parti là-bas, hey, les racines sont en bas. Non, non, les racines sont cachées dans le sol. Or, la langue, c'est quelque chose. Or, l'arbre, c'est celui qu'on voit. Les racines, c'est ce qu'on ne voit pas. Or, ce qu'on ne voit pas, les racines de la langue, ça provient du cœur. Vous comprenez maintenant? Ça provient quoi? Du cœur. C'est que la guérison de la langue doit partir d'abord au traitement des racines. Ah, personne ne comprend. Je recommence pour toi. J'ai dit quoi? On a dit une langue douce est un arbre de vie. On précise. On a dit est un arbre de vie. Ça, nous avions lu avec vous. Proverbe chapitre 15, verset 4. On dit une langue douce est un arbre de vie. Nous sommes partis dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 9. La Bible dit quoi? Oh, maintenant, si on parle de l'arbre de vie, c'est quelque chose qu'on avait placé dans les jardins. Et l'arbre de la mort, de connaissance du bien, du mal, c'est qu'on peut appeler l'arbre de la mort. Et tout ça était aussi placé dans les milieux. Maintenant, Dieu avait interdit à l'homme de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qu'on peut appeler l'arbre de la mort. L'homme n'a pas voulu. Moïse nous explique maintenant ce même arbre-là que Dieu avait placé devant Moïse, qui Adam et Ève, Dieu l'a placé aussi dans notre quoi, après la sortie de l'Éden. Mais dans une forme invisible, Dieu dit quoi? J'ai placé la mort et la vie. Mais Dieu, comme il est bon, il nous interdit d'aller dans l'arbre quoi? De la mort. Il dit quoi? Choisis quoi? La vie. Maintenant, la Bible va dans son éclaircissement parce que l'homme, son nom, le Saint-Esprit éclaircit les choses. Proverbe maintenant 18,
21 nous dit quoi? La mort et la vie de tout ce que vous voyez, vous entendez que Dieu a placé, ce qu'on appelle la malédiction et la bénédiction, sont au pouvoir quoi? De cette langue-là. Et cette langue, quand on la regarde, on voit que c'est quelque chose de rien. Certains même négligent même à la nettoyer quand vous vous lavez. Les gens se focalisent à nettoyer l'extérieur pour que les gens le puissent l'aimer, bien aimer. Tu crois, bien aimé, tu perds. Ce qui est l'extérieur ne nous font pas aimer. Ça nous fait simplement attirer. C'est une attirance. Et ce qui attire les gens. Mais ce qui te fera beaucoup aimer les gens, c'est ta manière de parler. Oh, c'est comment tu parles. Bien aimé, la manière que tu parles, c'est une semence que tu jettes. C'est cette semence qui fera en sorte que les gens se rappellent de toi et que les gens t'aiment. Alors, vous direz, alors Jésus, mais oui, Jésus n'a pas été aimé par les gens parce qu'il donnait une semence de vie. Vous savez, ceux qui sont déjà habités dans l'arbre des connaissances du bien et du mal ne supportent plus l'histoire de l'arbre de vie parce qu'ils vont se cacher. Ils vont se cacher derrière les autres arbres. Là, on parlera une autre fois. Le mettre dans les tiroirs, ce n'est pas notre affaire aujourd'hui. Notre affaire maintenant, on comprend. Si c'est un arbre, alors tout arbre, je dis quoi? Vit par les racines. Et les racines, c'est elle qui envoie la sève de l'arbre pour donner à l'arbre quoi? Une vie. Et si maintenant cet arbre commence à recevoir des bons sèves, et cet arbre va donner aussi quoi? Des bons fruits. Quelqu'un entend ce que je dis? Va donner aussi quoi? Des bons fruits. Maintenant, je dis, les racines de tout arbre sont cachées. Les racines se cachent, c'est l'arbre qu'on voit à l'extérieur. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? C'est l'arbre qu'on voit quoi? À l'extérieur. Les racines, on ne voit pas. Les racines, on ne voit pas. Parce que pourquoi? Dans l'homme, les racines de la langue, c'est dans le cœur. C'est ainsi, bien aimé, le cœur de l'homme, tu ne le vois pas. La personne qui est devant toi, tout ce qu'elle te dit, tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Tu ne sais pas. Quelle est cette maladie qui est dans son cœur? Tu ne connais pas. Si cette personne est de mauvais cœur, bien aimé, tu ne sauras pas. Parce que l'enveloppe que nous voyons, qui cache, bien aimé, le cœur, c'est comme la terre. Et c'est aussi bien, vous le savez, que l'homme aussi provient de la terre. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. C'est ainsi que je vous ai dit le dimanche. Dans le livre de Jérémie 17, verset 9, la Bible nous a dit quoi? Le cœur de l'homme est obtué par-dessus. Qui peut le connaître? La Bible dit qui peut le connaître? On peut encore relire ça. La Bible dit qui peut le connaître? Personne ne peut le connaître parce que c'est un endroit caché de l'homme. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Aïe, 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 que la lumière soit. J'aime le Saint-Évangile, cet évangile, et j'aime la parole parce qu'il y a la précision. Jérémie. Allons-y dans le livre de Jérémie, vous en avez déjà le dimanche, mais là nous parlons beaucoup, hein, parce que nous voulons que l'évangile commence à transformer les gens. Bien-aimés, nous prions, il y a beaucoup de monde dans nos églises, mais qui ne change pas. Qui ne change pas. Les hypocrites terribles. Voilà. Jérémie 17, verset 9, comme on a dit. Écoutez, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître? Pourquoi la Bible a posé la question qui peut le connaître? Parce que le cœur, c'est quelque chose qui se cache. Les yeux, on le voit. Les nez, on le voit. La langue, je peux la montrer. Et tout ça, tout le monde. Et bien aimé, ma bouche, tu me lèves, tout le monde voit. Mais mon cœur est caché. C'est ainsi que nous nous donnons des fois confiance aux gens. Sans pourtant savoir que si réellement cet arbre est bien. C'est ce que, bien aimé, tu peux aller t'appuyer sur un arbre qui tu ne vois debout, mais tu ne sais pas si ses racines sont pourries. Quelque temps après, bien aimé, quand il y a un vent qui souffle, et vous voyez des fois cet arbre tomber. C'est ce que certaines vies, bien aimé, beaucoup de gens que nous voyons peut-être comme ça bien, mais nous ne savons pas comment se passe dans leur cœur. Bien des personnes que tu vis à leur côté, tu ne sais pas ce qu'il passe dans leur cœur. Alors on dit que maintenant la langue a c'est un arbre. Or, ses racines, c'est quoi? C'est le cœur. C'est quoi? C'est le cœur. Maintenant, la Bible va nous expliquer. Bien aimé, ça nous reste quelques minutes pour arrêter. Voilà. Et nous allons finir. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'introduction. Ne vous en faites pas. Nous sommes qu'à l'introduction. Les racines, c'est quoi? J'ai dit, c'est le cœur. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Les racines, c'est quoi? C'est le cœur. Maintenant, la Bible nous dit, si ces racines-là sont bonnes, c'est que l'arbre doit produire aussi de bonnes choses. Doit donner une bonne semence.
Mais si les racines sont mauvaises, c'est que tout ça. C'est ainsi, bien-aimé. Quand tu es avec un homme, tout ce que l'homme dégage par la langue, cela doit te servir à savoir qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Il nous est arrivé d'être imprudent, être distrait, de dire toujours que non, bon, peut-être il a dit ça comme ça, bien-aimé. Et tu dis l'homme, tu vas identifier son cœur. On reconnaît la maladie du cœur et des racines par les choses qui sortent de la langue. Et ce qui sort de la langue nous montre que si cet arbre donne la vie ou cet arbre donne quoi? La mort. Oh. Allons-y dans le livre de Matthieu. Nous allons à Matthieu. Je pense qu'on va clôturer aujourd'hui avec le livre de Matthieu. Et après quoi, bien-aimé, nous attendrons demain pour la suite parce que ça nous reste simplement 12 à 13 minutes. Yes, 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 yes. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, je pense que nous comprenons que pendant que moi, je vais vous donner un verset que quelqu'un dise que cet enseignement guérisse ma langue. Dis encore que cet enseignement guérisse ma langue. Encore que cet enseignement guérisse ma langue. Encore que cet enseignement guérisse ma langue. Bien-aimé, nous allons d'abord lire Matthieu 15. Le verset quoi? 18. Est-ce que vous comprenez cela? Matthieu 15, le verset 18. Nous allons rester... Matthieu 15, verset 18. Écoutez bien. Matthieu 15, verset 18, la Bible dit, mais ce qui sort de la bouche, ce qui sort de la bouche provient d'où? Pour vous montrer que les racines sont dans le cœur. On dit provient du cœur. Est-ce que vous comprenez? Ce qui sort de la bouche provient du cœur. On dit ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et ce qui rend l'homme qui impie. Donc, tout ce qui sort de ma bouche peut me donner la vie, peut me donner la mort. On va le déchiffrer tout au long de cet enseignement quand chaque jour qu'on reviendra pour parler de ça. Tout ça, mais je vous amène tranquillement à découvrir cela. On dit tout ce qui sort de la bouche vient de quoi? Du cœur. Nous sommes toujours à Matthieu. Nous campons un peu à Matthieu, bien aimé. Et allons-y à Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Maintenant, Matthieu chapitre 7, le verset combien? Le verset 17. Jusqu'au verset combien? 19. Matthieu 7, 17 à 19. Nous allons maintenant là-bas. Tout ça, ne t'en fais pas. Ce chapitre, on va revenir à la suite de demain. Ne vous en faites pas. Mais notez quand même. Nous venons de lire Matthieu 15, 18. La Bible dit quoi? Tout ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur. Nous avions dit que la langue est un arbre, mais dont ses racines sont dans le cœur. Maintenant, j'ai dit Matthieu 7, verset 17 au verset 19. Il faut bien écrire. Matthieu 7, verset 17 au verset 19. Maintenant, la Bible nous dit ceci. La Bible dit que tout bon arbre porte aussi de bons quoi? Fruits. Les fruits sont des semences. Tout bon arbre porte aussi de bons fruits. Mais les mauvais arbres, vous entendez? On dit, mais les mauvais arbres produisent de mauvais quoi? Fruits. Maintenant, le verset du jour dit quoi? Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Quelqu'un qui a un bon arbre, bien-aimé, dont ses racines sont bien, de sa bouche ne peut pas sortir de mauvaises choses. Est-ce que vous écoutez cela? On dit un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre peut porter de bons quoi? Fruits. Le verset 19 finit dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. Nous acclamons la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avançons vers la fin. Écoutez, je bénis tout celui qui partage cette mission et qui aimerait vraiment qu'on puisse bien aimé avoir vraiment un changement de cœur. Bien aimé, il faut que nous changions. Beaucoup de gens
bien-aimés, sont devenus dangereux. Les chrétiens sont devenus des personnes, des personnages à ne pas beaucoup se fier. C'est dangereux. Bien-aimés, voilà, voilà. Est-ce qu'on doit supprimer l'amour? Non, mais simplement, il faut qu'on cherche des traitements et pour pouvoir aider les gens à changer. Aider les gens à changer. Écoute bien. La Bible nous a dit dans le livre de Matthieu 15, 18 que tout ce qui sort de la bouche provient de qui? Du cœur. Je vous ai dit que Proverbe 15, verset 4 nous a dit une langue douce est un arbre quoi? De vie. Mais la perversité de cela, ça rend un esprit malade. Maintenant, on prend simplement une langue est un arbre. Pour ne pas préciser la langue douce ou la langue perverse. Nous prenons l'arbre. Or, nous savons que l'arbre, c'est la partie qu'on voit à l'extérieur, le tronc et tout ça. Mais en connaissance de tout, même si tu ne vois pas ce qui est caché de l'arbre, on sait au moins que les racines de l'arbre sont dans la partie cachée. La partie cachée, c'est pour l'arbre, c'est la terre. Donc, on ne peut pas voir. Tu peux passer là-bas, tu passes que... Toi, tu vois l'arbre ici, mais tu ne sais pas là où tu passes. Peut-être les racines aussi sont là-bas. Quelqu'un comprend cela. Les racines peuvent être là-bas. Toi, tu dis que je n'ai pas touché l'arbre, mais peut-être tu es passé dessus les racines. Ça, il faut le savoir. C'est de même aussi. On dit maintenant de la bouche qui est un arbre, la langue, mais ça provient quelque part aussi, quoi, la vie de cet arbre. Cet arbre, maintenant, on dit que tout ce qui sort de la bouche provient d'où? Du cœur. C'est que la sève là. Maintenant, Matthieu 7, 17 à 19 nous dit ceci. Écoutez, vous devez savoir que non, tout bon arbre doit produire aussi quoi? Des bons quoi? Fruits. Mais tout mauvais aussi produit des mauvais. C'est que par là qu'on comprend, tout ce qui provient du mauvais, ça dépend aussi de la partie cachée. Cette partie cachée, c'est ce qu'on appelle quoi? Le cœur. Bien-aimé, c'est quoi le cœur? Vous comprenez le cœur. Maintenant, la Bible est précise, mais vous ne savez pas. Jamais un bon arbre peut donner de mauvais fruits. Jamais. Bien-aimé, quand quelqu'un te parle, tu vois que cette personne qui fait toujours montrer c'est un chrétien, mais les choses que cette personne te dit, mais peut te dire que non, moi je suis de Dieu. Non, 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 faut douter. Parce que la Bible a dit, un bon arbre, jamais ça peut produire de mauvais quoi fruits. Le matin du soir, tu ne fais que critiquer les autres. Et toi là, tu prends la Bible, tu commences à prêcher. Le matin au soir, bien aimé, tu fais que parler du mal des gens. Et toi là, tu t'enfermes dans une chambre, tu dis tu es en retraite. Mais non, ça c'est l'intonant. Je ne crois pas à cette prière et je ne crois pas à ce que tu dis. Parce qu'on me dit que tout bon arbre ne peut jamais produire de mauvais fruits. On dit jamais aussi un mauvais arbre peut donner de bons fruits. Bien aimé, même si tu fais semblant de bonnes choses, mais quand je te regarde ce que tu fais, je me dis mais non. Non, jamais, ce type n'est pas de Dieu. Ce n'est pas une erreur. Parce qu'on peut dire, oh, j'ai commis une erreur, mais une erreur répétitive. Ça devient une habitude, c'est plus une erreur. Ce sont des fautes. C'est une... Maintenant, ça devient quoi? Ta habitude, ça devient un comportement. Et quand ça devient un comportement, bien aimé, je comprends que tout cela a un problème dans le cœur. Comme le cœur, cela se trouve les racines, bien aimé, on ne connaît pas ce qui se passe dans le cœur de qui? De l'homme. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? On ne connaît pas. C'est ainsi que Jérémie 17, 9 nous a dit quoi? Le cœur de l'homme est tortué par-dessus. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? On se rend compte que non, la raison pour laquelle on ne peut pas connaître le cœur, parce que le cœur se trouve dans une partie cachée. La partie cachée, l'œil de l'homme ne voit pas. Mais maintenant, il faut chercher l'œil spirituel pour identifier et qui le comportement de l'homme. Et qui est le cœur de l'homme? C'est quoi ce qu'on appelle le discernement? Et c'est, on peut que discerner maintenant par quoi? Par toutes semences qui sortent de la langue. Bien-aimé, tu as entendu aujourd'hui dans cette introduction que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, tout ce que l'homme ou toi tu parles, c'est ce qui détruit quoi? Définit ta destinée. Ta destinée se trouve dans ta bouche, dans ta langue. Bien-aimé, ta destinée dans ta bouche, sur ta langue là que tu vois, ne néglige pas ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est une introduction, bien-aimé. Commence déjà toi-même à réfléchir. La partie cachée de ton arbre, c'est quoi? C'est ton cœur. Comment? Qu'est-ce qui se passe dans ton intérieur?
Comment tu juges ce que je parle et comment tu penses? Comment tu vois ton mec et comment tu vois ta femme? Bien-aimé, nous ne produisons simplement ce que vient de notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse. C'était votre frère, humble pasteur, Bishop Apinkoumou, ami de miracle, ennemi de doute et de peur, membre de l'association Génération Nature. Bien-aimé, restez toujours connectés dans nos émissions. C'est la bonne adresse, l'émission que la lumière soit, et c'est là où nous mangeons Jésus à l'agonie. Bien-aimé, waouh, que la lumière soit, et que je veux que beaucoup de gens, Dieu arrive à les guérir. N'oublie pas, il a placé la mort et quoi, et la vie devant nous. Et cette mort et la vie, la bénédiction, la malédiction, n'a que quelque part comme le maître de cela. Le maître de cela, c'est le quoi? La langue. La mort et la vie au pouvoir de qui? De la langue. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons finir avec notre chanson, vous le savez, tout ça, et pour que nous comprenions que Asalazonga, parce que les cœurs des gens, nous n'espérons plus à beaucoup d'autres choses, si ce n'est que la parole vient nous toucher. Nous voulons un évangile qui pénètre les cœurs. Voilà pourquoi nous parlons de la situation du cœur, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre. Nos églises ne peuvent plus avancer. Et si les gens ont toujours des problèmes dans leur cœur, s'ils ont de mauvais cœurs, bien-aimé, nous voulons maintenant les traitements. Nous vivons avec des gens, bien-aimé, puisqu'on ne voit pas leur cœur, on les a donné beaucoup confiance. Mais là, maintenant, bien-aimé, nous allons tous essayer de diagnostiquer beaucoup de choses. Bien-aimé, ces enseignements vont vous permettre à diagnostiquer vous-même, à diagnostiquer aussi ceux qui sont tout autour de vous, pour savoir à qui donner confiance, à qui ne pas donner confiance. Est-ce que je dois me fier complètement de la parole qui sort de la bouche de la personne ou chercher à savoir cette parole apporte quelle quoi, sémence. Et que le Seigneur nous bénisse. Suivez un peu cette chanson, bien-aimé, pour finir notre culte. Méditez avec cela. Après avoir mangé, écoutez, on avait pris ça comme un apéritif. À la fin, c'est la méditation maintenant. Yes. Jésus revient. Alléluia. Il n'y a plus de paix sur cette terre, Jésus. C'est vrai. Thank you.
Voilà, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On devait finir avec la méditation de cette chanson. Nous avions parlé, n'oubliez pas, nous avions parlé sur la guérison de la langue. Je vous ai dit beaucoup de choses. Bien aimé, c'était qu'une introduction. Et demain, nous allons faire la suite. Et je pense que chacun a compris, parce que nous avions un but, bien aimé, que nous devons maintenant, à ce temps, donner vraiment aux gens le sens, le vrai sens, que les gens comprennent vraiment si réellement nous sommes de Dieu ou pas. Cela est tellement très très important, bien aimé, et que nous centrions nos messages maintenant dans les cœurs. C'est très important. Voilà pourquoi je vous ai expliqué des choses. Waouh! Ensemble avec la spiritualité, l'intelligence, la révélation, je vous ai fait marcher l'arbre, et c'est quoi la mort et la vie. Et c'est tout ça, on a expliqué le pouvoir de cela, et tout ça pour nous amener à comprendre et d'où provient aussi sa maladie. Bien aimé, ta vie dépend de toutes ces semences que tu as déposées. C'est ainsi que tu ne fais que récolter cela. Comment tu parles, même dans ta vie, et toi-même, comment tu parles. Toute chose qui existe n'a été que les conséquences du mouvement de la langue. Du mouvement de la langue, c'est que la parole ne pouvait que sortir si la langue fait son mouvement, fait des vibrations pendant que Dieu parle. C'est ainsi que la Bible dit, Dieu dit que la lumière quoi soit. C'est très important, bien aimé, et que Dieu vraiment nous aide. Suivez cet enseignement qui vient de commencer, bien aimé, va jusqu'à la fin de cet enseignement pour que tu sois sauvé. Bien aimé, arrêtons de laisser simplement notre extérieur être mouillé. Dieu ne fait pas pleuvoir sa pluie pour notre corps, mais il le fait pleuvoir pour nos cœurs. La parole de Dieu est une pluie, mais qui ne doit pas retourner sans pourtant arroser la terre, pour simplement pousser et qu'il se m'en sorte. Nous saurons cela et comment nous saurons que dans cet endroit, il y a une bonne et une mauvaise quoi, semence. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à 22h, aux mêmes heures, pour l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile de la précision. Voyons comment nous marchons et si la parole marche et se précise. Restez connectés. À minuit, vous aurez l'émission Au milieu de la nuit, qui est aussi une des émissions du Saint-Évangile donné par Pasteur Lydie Nkoumo. Je vous aime. Abonnez-vous sur mon site YouTube, Papi Nkoumo Saint-Évangile, où vous tapez directement même les clips. Papi Nkoumo Salaozanga, vous allez tomber, vous appuyez abonné. Et quand vous appuyez abonné, tous ceux qui rentrent, vous serez les premiers à être informés. Bien aimé, comme les clips qui arrivent, vous serez les premiers à avoir ça en possession. Que le Seigneur vous fasse du bien. Continuez à partager dans des groupes, puisque celui qui partage, je prends mon temps à prier pour cette personne. Comme là, après cette émission, j'attends à minuit pile, je commence la prière pour vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Bye.